Salut mes élèves. Dans cette vidéo, on va voir la distinction entre la grandeur et son unité et l'appareil de mesure de cette grandeur. Partie 1. Exemple. M égale 35 kg. Que signifie M? M, c'est une grandeur. Oui, le miqdar. On voit la masse. Aïe, elle coûte là. 35, c'est la valeur, voyez le qima. Kilogramme, c'est l'unité, voyez le wihda. L'unité, voyez le wihda, kilogramme. Les grandeurs et son symbole, appareil de mesure, unité et son symbole. La première, la masse, M. L'appareil de mesure, c'est la balance. Son unité est mizaan, son unité est... L'unité et son symbole, c'est le gramme G ou bien le kilogramme. La deuxième, grandeur. C'est le volume V, voyez le hajm. On va voir, c'est le récipient gradué, awani mudarraja. C'est un verre gradué ou bien une éprouvette graduée. Mètre cube ou bien le litre, c'est l'unité de symbole. La température, T ou bien tétan, darjat al-harara. L'appareil de mesure, c'est le thermomètre. Il y a plusieurs différents de thermomètres. Mihrar, l'unité, c'est le degré Celsius. La quatrième, c'est le temps, le durée, moudezemania. L'appareil de mesure, c'est le chronomètre. L'unité usuelle ou son unité, c'est le second. La pression P. Il y a deux appareils. Le baromètre, c'est l'appareil mesure la pression atmosphérique. Et le manomètre, mesure la pression d'un gaz. Son unité, c'est la pascale ou bar. L'intensité du force F, Shiddet al-Kouwa, le dynamomètre, il mesure le dynamomètre. Son unité, c'est le newton. Cette vidéo vous présente la partie 1 sur ses grandeurs et symboles. À la prochaine vidéo. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.